Tu n'es qu'un monstre! Mais vous n'avez rien à faire là! Evie! Ressaisissez-vous! Allons, allons! Dors! Qui est-ce? Dites-le-moi! Vous le dire? De quel droit? Je suis membre des forces de l'ordre, pas de votre organisation secrète! Écoutez-moi, Jacobs. Non, vous allez m'écouter. Je ne peux pas vous couvrir plus longtemps. Toutes les preuves incriminent votre frère, votre confrérie, même vous! Vous allez m'apporter la tête de l'éventreur sur un plateau où je serai dans l'obligation d'ordonner à mes hommes de vous arrêter. Vous aurez sa tête, même si je dois y laisser la mienne. Une jeune infortunée. La plus jeune des victimes, 25 ans. On a découvert le corps de Mary Jane Kelly à 11h moins le quart ce matin. Elle avait la gorge tranchée, le visage et le corps mutilés de la manière la plus abominable. Il lui a ôté ses organes, son cœur, sa dignité. Tu veux que je te voie comme elle t'a vu, que j'imagine ce qu'elle a ressenti? Tu t'en prends aux femmes pour prouver ta virilité, Jack? La bouilloire est encore chaude. Il y a beaucoup de sang. Vu d'ici, ces inscriptions ne m'apprennent rien. Qu'est-ce que c'est? Jack a dû laisser ses inscriptions pour moi. Un petit présent, Miss Fry. Il y en aura d'autres, tant que vous n'aurez pas obéi à Jack. Suivez la piste du sang de l'autre côté du miroir. Jack veut que je retourne sur les lieux de ses premiers meurtres. J'obéirai à ta volonté, Jack. Mais je te promets que je t'enverrai au fin fond de l'enfer. Qu'avez-vous découvert? Il m'a laissé un message. Le monstre veut me mener à lui, inspecteur. Je dois retourner sur les lieux des premiers meurtres de l'éventreur. Ne laissez pas la rage vous aveugler, Miss Fry. Je ne tiens pas à vous perdre, vous aussi. Si je meurs, inspecteur, j'emmènerai l'éventreur avec moi. Annie Chapman a été assassinée près d'un cimetière de Whitechapel. Si je veux enquêter en paix, je vais devoir effrayer ces gens.
Je ne m'échappe pas. Je vais te faire avaler ta langue. Je vais protéger les rats. N'approchez pas de moi. On s'est battu ici. C'est ici que Jack a assassiné Annie Chapman, la deuxième victime de ses horribles crimes. Il lui a coupé l'annulaire. Où est passée la bague ? Où se lamente-t-il ? En voilà une autre. Sa bague d'assassin doit être quelque part. Jack tenait à ce que je trouve ces bagues. À quoi sert un credo incapable de protéger les siens ? Ce message était avant tout destiné à mon frère. Catherine Eddowes a été tuée sur une petite place, près du chemin de fer. Thank you.
tu veux vivre, ne fais pas le moindre bruit. What is the commotion? C'est ici que Catherine Eddowes est morte. Humiliée et mutilée par Jack. Tout cela pour punir mon frère. Des traces de lutte. Il y a beaucoup de sang. Je dois trouver l'endroit où Jack a tué son autre victime. Des taches de sang. Je dois suivre ces traces. Où cela mène-t-il ? Réjouis-toi, Jack. Tu as tué toutes les assassins envoyés par Jacob pour lutter contre ton credo dévoyé. Projection de sang. Sa bague d'assassin doit être quelque part. D'assassin doit être quelque part. Sa bague d'assassin doit être quelque part. Sa bague d'assassin doit être quelque part. Deux bagues d'assassin. Jack a tué deux femmes ici. Deux initiés de Jacob. Combien doivent mourir pour que tu vois la vérité? P.S. Ton frère ne m'a pas écouté, alors il a reçu une double leçon. Votre credo l'a trahi, tout comme il a trahi ma mère. Il était enfant, Jack a vécu près d'ici avec sa mère. C'est là qu'il me conduit. Aux yeux de Jack, seule la mort de sa mère fut un meurtre. Ah!
protégé cet endroit. L'éventreur n'a tué personne ici. Qu'est-ce ? Je suis né ici. J'ai survécu à l'asile et j'ai appris auprès du meilleur jusqu'à ce qu'il me trahisse. Viens, que nos deux credos s'affrontent. L'éventreur est né le jour où la mère de Jack a été assassinée. Pour lui, Jacob est responsable, ainsi que la confrérie qui lui a fait défaut. Qu'est-ce qui m'arrive ? Merci à toi, Ellie. La traîtrise de Jacob. Une inspiration. C'est son intervention. Ce chef-d'œuvre. Il est entré dans ma tête. Où était Jacob quand les hommes de Starik l'ont traîné dans la tête ? Où était-il quand ils m'ont emmené à l'asile ? Je suis en train de perdre la tête. Viens m'affronter, mon... À quoi sert un credo incapable de protéger les siens ? Un credo mort. Voilà ce que c'est. Tu dois te maîtriser, Evie. La culpabilité a poussé Jacob à me libérer de l'asile. Il a vu quelque chose en moi et il a fait de moi un assassin. Non, non, pitié ! La maison de fous, l'asile de Lambeth. Jack m'attire de l'autre côté du miroir. Maintenant, je dois effacer toute trace de mon identité. Il est temps de rendre visite à mon ancien médecin. Il est temps que mon ancienne infirmière paie pour sa négligence et ses traitements. Montrons au docteur Archer quel bon chirurgien je fais. C'est le petit garçon que Monsieur Starik vous a chargé. Aujourd'hui, je suis en train.
L'infirmière Whitney va implorer ma pitié en hurlant, comme autrefois j'ai imploré la sienne. Allez, crie pour moi. Le directeur Bradford sera ravi de m'aider à effacer toute trace de mon passage dans son hôpital. Où peut bien être le directeur de cette maison de fous? Le dossier médical ne doit jamais tomber entre les mains de la police. Je suis l'éventreur. Personne ne doit jamais apprendre que j'ai été interné ici. Il est temps de préparer la venue des Davy Fry. Ces pauvres fous ont bien droit à une petite promenade. Plus on est de fous. C'est là que tout a commencé, hein. Mon frère t'a libéré de cet asile et tu es devenu l'un des nôtres. Prendre le risque d'être vu, ni de blesser un policier. Thank you.
piste sanglante me conduit ici. Jack est passé par là. Il a dû laisser d'autres messages. Tu auras ta récompense, mais tu devras aller la chercher au fond de l'abîme.
Au sous-sol. C'est là que Jack a tendu son dernier piège. Jacob ? La famille est enfin au complet, Miss Fry. Une maladie se répand dans nos troupes, peut-être en essayant autrement. C'est pitoyable. Ne me fais pas rire. Il faut que j'essaie une autre approche. C'est peine perdue. Une maladie se répand dans notre monde, Miss Fry. Elle a affaibli notre credo. Es-tu un chat? Alors on se cache. Ton frère m'a enseigné toutes les ficelles, assassin. Allez, ma sœur, viens voir Jack. Tu crois toujours... Tu crois pouvoir me tuer comme ça. Ne me fais pas rire. Je n'arrive à rien. Je ferais mieux de fuir et d'approcher discrètement. Mais je suis là. Je vais arracher la maladie et la couverture de ces deux. Je vais tout arracher. Nous serons purs. Les assassins vont se lever et ils vont rallier. Les enfantillages commencent à devenir lassants. Jacob croyait pouvoir se cacher. Aussi lâche et stupide que ton frère. On meurt. Jacob est fini. Et il est temps de choisir ton camp. Je peux.
peuple doit nous craindre. Et tu le sais. Les enfantillages commencent à devenir lassants. Aussi lâche et stupide que ton frère. Tu crois toujours pouvoir m'échapper. Jacob croyait pouvoir se cacher aussi. Alors, on se cache dans l'ombre, Miss Fry? Es-tu un chat ou une souris, Amy? Allez, ma sœur, viens voir Jack. Alors, on se cache. Ton frère m'a enseigné toutes les ficelles, assassin. Je t'ai vu utiliser des instruments de terreur. Tu es comme moi. Ne me fais pas rire. Vois-tu la vérité qui a échappé à ton frère? Ne sommes-nous pas pareils, toi et moi? Je suis le vrai visage du Credo. Te joindras-tu à moi ou devrais-je t'ouvrir le ventre et envoyer tes organes à ton cher inspecteur? Allez, ma sœur, viens voir Jack. Sacrifier ces agneaux! Tu es fait! Je ne suis pas un monstre! Tu ne feras pas de moi un monstre! Moi un monstre. Toi et moi, nous sommes pareils. Oh, Jack. Tu as été un assassin, oui. Mais nous ne sommes pas pareils. Et c'est pour ça que ton souvenir doit disparaître à jamais. Repose en paix, Jack. Toi et tous tes acolytes déments. Jacob. Bon Dieu, Miss Fry!
Rien, inspecteur. Il ne s'est rien passé. Croyez-moi, Jack l'éventreur est mort. Aidez-moi, Frédéric. Nul ne doit savoir que l'éventreur était un assassin. Vous allez m'éloigner ces misérables vautours, c'est compris ? C'est fini, Jacob.